Bibliozène présente Karl et Elsa s'envolent de Jenny Westin Verona et Jésus Verona aux éditions Cambourakis, traduit du suédois par Catherine Renaud. Est-ce qu'on se met en pyjama tout de suite? Demande Karl à Elsa. Oui, comme ça la nuit commence pour de vrai, dit Elsa en sautant dans son pantalon de pyjama. On va rester réveillés toute la nuit, manger des chips et regarder les étoiles. Oui, toute la nuit, pour pouvoir voir les hiboux et la lune, dit Elsa en se mettant debout sur le lit pour ululer comme un hibou. Ce serait amusant de construire une fusée pour aller explorer l'espace, dit Karl. Oui, c'est vraiment chouette l'espace et les fusées, dit Elsa. Je commence à la fabriquer. Voici la pièce principale avec toutes les manettes, dit Karl. Il nous faut un bouton de compte à rebours et une rampe de lancement. Les parois sont en acier et en poussière d'étoiles. Ça donne des super pouvoirs à la fusée. Oh, ça va être une fusée parfaite, dit Karl en tapant dans ses mains. Comment va-t-on la baptiser? Je pense qu'elle doit s'appeler Valentina, dit Elsa en bricolant. Regarde, je visse le télescope parce que je suis ingénieur. Alors, on y va? Demande Karl. Dehors, il fait nuit. J'ai préparé les provisions et nos chiens de l'espace ont déjà mis leur astrocasque. Oui, regarde, les étoiles arrivent. Vite, sautons dans notre fusée, dit Elsa. Fin prêt, ils sont assis à leur place. Comme ça va être amusant de voir l'espace de près, dit Karl. Ensemble, ils commencent le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! La fusée se soulève en crépitant, crie Elsa. Nous sommes plus rapides que la vitesse de la lumière! Ils traversent les nuages et plongent droit dans la nuit. Regarde, la Terre est comme un globe, dit Elsa. Et notre ville n'est qu'un petit point. Je suis grand et minuscule à la fois. Voilà la Lune. Elle est brillante et magique. Nous amorçons notre alunissage. Et c'est moi qui suis la capitaine, dit Elsa. Fais attention à la pluie de météorites, crie Karl. Évidemment, dit Elsa. Superbe alunissage! Viens, on va explorer la lune! En posant leurs pieds sur le sol, ils sentent que c'est froid comme de la glace. Crois-tu qu'il y a des animaux de lune? Demande Karl. Peut-être, dit Elsa. Quelques hiboux de nuit, des fous de lune et un ou deux singes de l'espace? Oh là là! Tu crois? Dit Karl. Qui sait? Dit Elsa. Viens, on va tester la gravité de la lune. À chaque fois que Karl et Elsa sautent, ils flottent avant de redescendre lentement. C'est fantastique! Regarde-moi! Crie Karl en s'élevant dans les airs. Regarde-moi, je fais du moonwalk! Dit Elsa en reculant au ralenti. Puis, elle fait une pirouette au-dessus d'un cratère. « Ça doit être la pleine lune aujourd'hui !» dit-elle alors qu'elle est la tête en bas en apesanteur. Ils flottent depuis un moment, quand tout à coup, Karl montre du doigt quelque chose devant eux. « Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il. Au milieu des airs, quelque chose de sombre, grand et profond s'approche d'eux. « Oh, cool !» dit Elsa. « Un trou noir !» Je me suis toujours demandé comment c'était à l'intérieur. Mais ça peut être dangereux. Ne va pas dedans, dit Karl. Tu ne décides pas pour moi, dit Elsa tout en plongeant dans le trou noir. Elsa ! Crie Karl désespéré en direction du trou. Mais elle a disparu et il est seul. Tout est silencieux et vide. Son cœur bat fort. Si fort! Karl déglutit. Il étire ses muscles pour essayer de se grandir.
Je dois être courageux. Je dois sauver Elsa, pense-t-il. Puis, il fait un pas prudent dans le trou noir qui l'engloutit lentement. Il fait tout noir. Il a l'impression qu'un tourbillon de froid s'est emparé de son corps. Puis, il commence à filer à toute vitesse devant les étoiles. Certaines ont des queues et elles se rassemblent en petits groupes qui dansent en avançant. Mais Karl ne voit Elsa nulle part. Juste à ce moment-là, Karl se cogne contre quelqu'un. Hurrah ! C'est Elsa ! Je suis ici pour te sauver, mon ami, déclare-t-il fièrement. Pfff ! Dit Elsa. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. Je suis forte comme une supernova. Je sais bien que tu es la plus forte de tout l'univers, dit Karl. Mais je croyais que tu étais en danger et je voulais être un héros, juste pour un instant. Je compte bien rester ici, dit Elsa en regardant Karl avec détermination. C'est alors qu'une comète s'approche avec toute la vitesse du monde. Quand une comète arrive, on doit sauter dessus, s'écrie Elsa ravie. Ensemble, ils volent à travers la Voie lactée. Autour d'eux brillent des lumières de toutes les couleurs, comme s'ils étaient à l'intérieur d'un feu d'artifice d'étoiles. Tout crépite et clignote. Ça tourne et ça vire de plus en plus vite. Tout est pris dans un tourbillon. « L'espace me donne faim !» crie Elsa. « Est-ce qu'on pourrait pas manger quelques bonbons ?»« Si, et des chips !» répond Karl. Et ils atterrissent dans le cratère qui est aussi la chambre d'Elsa. « Quelle chance que nous ayons de la nourriture lyophilisée !» dit Karl en agitant le bol de chips. « Regarde, j'ai rapporté un fruit d'étoile !» dit Elsa en sortant un fruit jaune de sa veste. Les chiens de l'espace ont déjà atterri. « Qu'est-ce que vous avez fait comme bazar ?» leur dit Karl. Mais ils font comme si de rien n'était. Ils entendent un hibou ululer dans les parages. Tout est proche et en même temps très loin. Ils voient les étoiles, qui maintenant ne sont plus que de petits points blancs éparpillés dans le ciel. À travers la fenêtre, ils regardent la lune qui brille intensément dans leur direction. Karl et Elsa sont allongés, l'un à côté de l'autre et contemple l'espace. « J'adore la nuit !» dit Karl. « Moi aussi !» dit Elsa. Cette histoire t'a plu ? Alors retrouve les aventures de Karl et Elsa dans la bibliothèque de ta ville ou en librairie !